Oh mon dieu, viens ici le micro. Bonjour, on est en train de farmer Reshala parce que j'ai une quête. Et les boss sont alliés. Bon bref, j'ai fait déjà une vidéo pour expliquer l'événement des zombies et tout ça. Donc je suis en train de faire Reshala pop à 100%. Et il y a extrêmement peu de chances de tomber sur les autres boss en fait. Les pourcentages sont extrêmement bas. C'est qui ça? Ça c'est Eye ça, ça c'est Bird Eye. Donc même les goons sont alliés. Ben je pense. Ouais, non. Ça va? Même les goons. Par contre, si j'attaque Reshala et qu'il y a les goons, ça se passe comment? Hein? On peut me dire? Donc même les goons sont alliés. Où est-ce qu'il va? Ça va, Birdeye? Pourquoi tu fais du bruit quand tu marches? C'est marrant. Peut-être qu'il fait du bruit quand il est pas en combat. Ou alors c'est un bug. Ou une feature. Mais j'ai l'impression qu'il fait du bruit seulement quand il est en combat en fait. Il fait pas de bruit quand il est en combat, il fait du bruit quand il est en combat. Pas en combat. Ouais, vous avez compris quoi. Donc même les goons se sont alliés pour combattre les zombies. Intéressant. Ça c'est qui ça? Big Pipe. Va Pipe. T'as une M60. T'as peut-être de la M61 sur toi. Honnêtement, ça m'intéresserait tellement de te tuer. Je vais peut-être pas trop vous approcher. Je sais pas s'ils réagissent comme les rogues, ça m'étonnerait. Parce que les rogues, si on s'approche pas, ils nous attaquent pas. Mais c'est les rogues, quoi. Après, les goons, en théorie, ils sont pas avec les. Ils sont pas. Ils font pas partie des scavs ou des boss ou quoi que ce soit. Hein. Mais bon. En tout cas, si je les combats, il faut que j'en chope deux au moins très vite. Que je fasse gaffe au NPC, au PMC. Il est où Knight? Il est où Reshala? Normalement Reshala est ici. Ou alors il n'y a pas Reshala, il y a les Goons à la place, mais ça m'étonnerait. Normalement Reshala est à 100%. Scav. Très étrange de jouer comme ça. Ben voilà. Reshala est ici. Un problème en fait. Bah après je suis pas honnêtement après les goons, mais je voulais juste enregistrer pour dire que ah regardez les goons sont aussi alliés. C'est plutôt fun, c'est plutôt drôle en fait. ZB donc ça va être de ce côté-là. Big Pipe il est ici, du coup il va potentiellement me bloquer l'extract si jamais il devient hostile. Ah, ici, je sais pas du tout où il est Knight, il est peut-être complètement de l'autre côté. Je dirais pas non pour les tuer, mais on n'est pas vraiment après eux en fait. On est après Birdeye. On est après Reshala, pas Birdeye. Pas les Goons. J'avoue que la M60, elle me fait envie. Bon. Alors normalement, quand il est là, on peut peut-être lui mettre une balle de très loin et après partir. Il s'expose en fait.
C'est pas longtemps, mais il s'expose. Ben voilà. Voilà. Ouh. Est-ce que c'est ces gardes ou est-ce que c'est les goons? Il y a là, il y a pas là, le truc, ok. Très bien, très bien. Bon, on peut sortir là. Donc du coup, voilà. À la limite, j'avoue que j'aurais pu... Si honnêtement, Réchala avait pas été à cet endroit-là, j'aurais testé si les... Enfin, j'aurais combattu les goons, honnêtement. J'aurais tué les goons. Je les ai tués déjà 100 000 fois, donc je suis pas vraiment après eux. Après, comme j'ai dit, Pipe, il avait la M60 dans le dos, donc il peut avoir en tout 3 chargeurs, un chargeur dans son arme et 2 chargeurs dans ses poches. Donc ça fait 300 balles. Et des fois, c'est de la M61 la balle. Donc une des meilleures balles du jeu, en fait. Donc ça vaut le coup, honnêtement, ça vaut le coup. Et là, on a appris que du coup, ben... Birdeye, étrangement, fait du bruit quand il marche. Donc je pense que quand il n'est pas en combat, quand il n'est pas activé, il fait du bruit. Mais bon, par contre, hein, pour avoir Birdeye qui n'est pas activé, qui n'est pas genre sur votre cul, voilà, hein, c'est genre le truc qui arrive jamais, qui arrive strictement jamais. Mais bon, c'est pour dire quoi. Mais voilà, c'est des petites informations, vous savez, qu'on apprend avec Tarkov et tout ça, des petits détails comme ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, on a tué Reshala, une balle à la tête, c'est bien. Ça va faire 14 fois que je le fais là, enfin 15 fois parce que je suis mort une fois. Mais ouais, en ce moment, zombie. Zombie. Donc moi j'en profite pour faire ça parce que Reshala en fait et ses gardes ont neutralisé les zombies. Donc il est à 100% sur custom et les scavs plus boss sont alliés. Par contre les PMC bien sûr sont hostiles, donc faut faire attention à ça. Mais les boss et tout sont alliés. Donc c'est super simple. Et surtout le 100% spawn en fait, c'est surtout ça quoi. Parce que cette quête-là elle est atroce. Donc ouais, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao. Avant de nous quitter, pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes et bien entendu un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter, faites attention à vous et à la prochaine.